Si folie veut dire avant tout liberté et plaisir, c'est une folie et c'est aussi, on peut dire, une sorte de grand jardin où on a mis des animaux incongrus dedans, qui ne se ressemblent pas. On peut dire aussi que c'est pas exactement un cadavre exquis, c'est plutôt un vivant délicieux, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va en sursaut, en hoquet, qui mélange musique et paroles, qui mélange l'inspiration champagne noir de Topor, des textes drôlatiques que j'ai écrits, et puis la musique de Wagner qui met les chansons en folie, justement. Roland, quand on travaille avec lui, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire que, justement, c'est quelque chose qui est avant tout de la semence, de la poudre, pour déclencher des éclats de rire violents, mais qui ne sont jamais des éclats de rire ou qui méprisent les gens ou qui sont basés sur une ironie malsaine. C'est toujours un éclat de rire créatif, créateur, inventif. Quand je dis qu'il ne dérange pas les gens, ce n'est pas vrai. Ça dérange aussi beaucoup parce que ça fait bouger les gens et ça, je trouve que c'est formidable. Je restais une après-midi avec lui, j'avais l'impression de. Oui, d'avoir traversé des nuages, des trailleurs et d'être revivifié. C'était très miraculeux comment on avait un rapport d'immédiateté sur les choses et en même temps quand on a fait Palace, quand on a fait Merci Bernard, quand on a fait Bataille, quand on a fait des films, c'était jamais quelque chose qui était laborieux. Ou ça marchait ou ça marchait pas, c'était l'évidence, c'était tout de suite, c'était un éclat, il disait vite fait, bien fait, et puis voilà. Quand j'ai fait Musée haut, Musée bas, par exemple, c'est vrai que c'était un vieux rêve qu'on avait depuis 10 ans de faire quelque chose sur l'art. Il est parti, il est mort, je l'ai fait à sa place, mais je pense qu'il aurait pu être tout à fait dans cette histoire aussi. On est quand même des vieux bâtards, des enfants bâtards du dadaïsme, mais ça, on a ça dans le sang, et ça, quelque chose qui ne vieillit pas dans la mesure où ce que j'écris aujourd'hui, j'aurais pu l'écrire du temps de Roland, quand je travaillais avec lui, et voilà, je dirais presque réciproquement. C'est-à-dire que ces anciens textes sont très très nouveaux aujourd'hui. Pour la plupart, je ne les avais pas encore travaillés, mais sauf peut-être La cuisine cannibale, on a fait quelques extraits, mais surtout il y a des chansons formidables de lui, qui ont peu été chantées. Jeune ou vieille fille solitaire qui seule dans la nuit circule, avec lui vous ne risquez rien. Je suis vampire végétarien.